Eh ben les amis, salut, salut! Alors aujourd'hui, jeudi 3 août 2023, deuxième partie des montages de tarpes. Donc des montages toujours très simples. Hein. Donc deuxième et dernière partie en même temps. Hein. Donc vous pourrez retrouver la vidéo de la première partie dans les vidéos précédentes, hein, en cherchant un peu, en reculant, vous allez y tomber dessus. Hein, il suffit d'aller les chercher, elle est pas loin. Donc voilà, alors ce montage, ben, très simple. Voilà, donc, vous voyez. Alors après, ici, au niveau de la faîtière, là au milieu, il suffira de mettre une branche d'arbre ou un truc que vous trouvez au sol, hein, et vous pourrez relever la faîtière au-dessus. Hein, voilà. Puis là, il y a du vent, donc c'est pas. Mais voilà ce que ça donne. Hein. Donc, en relevant ici, vous aurez déjà beaucoup plus tendu, beaucoup plus. Ouais, on va essayer de remonter un peu là pour y tendre mieux. Ouais, donc là, on est quand même déjà plus bien. Voilà, là on est sur les montages très simples. Hein. Voilà, donc un montage très simple. Après on va faire un autre montage, que j'appelle le montage en pente. Hein. Alors, on va rester là-dessus. Très simple, hein, il n'y a pas plus il n'y a pas plus simple. Voilà. Il faut retrouver son bout. Voilà, la cordelette. Là, on retend. Alors c'est pareil, hein, il faut tendre correctement. Avec le. Il y a le vent là qui souffle dedans, dans des temps. Mais bon, on va y arriver. Déjà, j'ai déjà les piquets derrière. Comme il faut. Et on va répondre le tout. Et voilà.
problème, c'est que ça ne s'accroche pas. On est sûr de... Là, on est sûr du sapin, là, et... c'est pas évident de le faire tenir là-dessus. Dès que on tourne le nez, là, ça glisse. Voilà. On va pas le tendre trop parce que sinon. Ça tiendra pas. Parce qu'avec le vent, la ficelle a un petit peu volé. Alors. Et voilà, donc là vous avez un montage en pompe. Alors en fait c'est le bâton, il aurait fallu que j'enlève un peu tout ce qui glisse, les feuilles et tout ça, il y a des herbes séchées, donc ça a déposé sur le sol une petite couche de, et ça glisse, donc ça c'est les poignées du bâton, hein. Donc voilà, mais voilà. Donc voilà le montage. Hein. C'est le montage en pente. Hein. Ouais, c'est sympa. Hein. Bon, vous voyez, il y a du vent. C'est un peu galère là aujourd'hui. Bon, en même temps, ils nous annoncent des orages. Donc voilà, hein, bah, les montages. Ça a été laborieux là pour celui-ci parce que j'arrivais pas à m'accrocher là-bas. Mais voilà. Ben écoutez, j'espère que ben, ça vous aura quand même plu. Vous voyez, moi je l'étends pas trop justement parce que sinon le problème avec le vent, ça, si ça souffle trop dessous, et là le vent il arrive dans tous les sens, donc il n'y a pas de sens de vent et tout, hein, généralement, mais d'où, et là non, il n'y a pas de sens de vent, hein, il fait que de tourner. Mais voilà ce que ça donne, hein, concrètement. Hein. Concrètement. Alors ça, on peut faire ça avec une corde entre deux arbres. Hein. Voilà, hein, pour tous les montages, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouvera cette fois-ci, peut-être pas avant dimanche, mais là, ça sera sur... je pars une semaine en vacances en rivière artificielle faire de l'hydrospeed. Hein, voilà, je pratique l'hydrospeed aussi, donc je vous ferai des vidéos. Voilà. Allez, bisous, bye bye. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien.